c'est bon, t'as plus besoin du papier. Papier d'alu ou torchon humide, hein, ça marche aussi. Alors sur le bois plus vieux, c'est plus difficile d'enlever l'écorce. En fait, ça sèche. Et on se retrouve vraiment avec du bois marron en bas. Donc maintenant, je vais continuer ce type de travail sur l'ensemble de l'arbre en accéléré. Je vais également essayer de retravailler un peu les charries pour les renettoyer, éventuellement les élargir à certains endroits. Et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé le bois mort, j'ai élargi tous les charries, je les ai renettoyés aussi parce que dessus il y avait une couche un peu noire, verdâtre. Donc j'ai regratté pour retrouver du bois un peu plus blanc, un peu plus clair. J'ai retravaillé aussi certains jeans, j'en ai retaillé, j'ai retiré des fibres, je les ai rebrûlés. J'ai aussi recréé des nouveaux jeans, il y en a un peu partout, et notamment celui de tête que j'ai essayé de retravailler correctement. Maintenant, on passe à la dernière étape, ça va être le nettoyage de l'écorce. Donc on va se rapprocher, je vais vous montrer, et puis évidemment je finirai en accéléré. C'est parti! Voilà, on s'est rapproché à la base parce que je vais commencer par le bas et je vais remonter au fur et à mesure jusqu'en haut. Évidemment, je ne vais pas faire toutes les branches en détail, hein, je vais surtout essayer de faire les départs. C'est vraiment toute la ligne de tronc qu'il faut faire correctement. Donc, je vais vous montrer rapidement. Sur l'écorce, en fait, on a vraiment la veine vivante qui est très lisse et par-dessus, vous voyez quelque chose de feuilleté. On peut même l'enlever comme ça au couteau. Ça fait des petites lamelles comme ça. Et derrière ça, là, on retrouve l'écorce rouge, marron qu'on cherche à avoir. Donc il faut vraiment tout nettoyer comme ça, on retire. Ça permet vraiment d'enlever la petite couche. Alors par contre, je vais remettre le tissu parce que sinon je vais encore tout salir. Comme ça bouge plus. Donc voilà, donc ça permet vraiment d'enlever juste la petite couche superficielle là. Et en fait derrière, on trouve quelque chose de marron. Et cette couche marron, on va la frotter avec du papier de verre, avec différentes granulométries. Alors évidemment, il ne faut pas aller trop loin parce qu'après, derrière, il y a le bois mort, forcément. Donc en fait, moi, je prends du papier de verre comme ça. Donc granulométrie 180 et puis granulométrie 120. Là, je prends un morceau comme ça. Et puis on vient frotter comme ça.
Voilà. Et c'est vraiment cette nuance rougeâtre qu'on cherche à avoir. Donc là, par exemple, il faut encore un peu. Là, on voit vraiment bien le rouge et il faut faire ça vraiment partout. En premier, on enlève la couche comme ça qui se détache assez facilement. Ensuite, le papier de verre. Et après, on peut finir en 120. Et du coup, bah, on fait ce travail sur l'ensemble de l'arme. Donc évidemment, pour vous, ce sera en accéléré, et puis pour moi, ce sera en temps réel. Donc c'est parti en accéléré. Voilà, c'est bon. Maintenant, l'arbre est complètement nettoyé. J'ai nettoyé toute l'écorce. Donc, on voit vraiment la différence de couleur. Avant, c'était vraiment feuilleté, grisâtre, assez clair. Et là, maintenant, on se retrouve avec une couleur un peu rouge bordeaux. C'est assez flagrant l'avant-après. Alors, il y a quelque chose qui permet de faire ressortir encore plus cette couleur. C'est le fait de mouiller en fait le tronc. Comme je vais appliquer du liquide Agin maintenant sur tout le bois, et bah, de toute manière, il faut que je mouille le bois pour que ça aide à bien imprégner le liquide Agin. Donc je vais mouiller l'arbre, vous allez voir, le rouge va bien ressortir, et ensuite j'applique le liquide Agin. Pour le liquide Agin, j'ai pris en fait un petit pot de confiture vide. Alors je vais juste le mélanger quand même. Donc là, je fais gaffe quand même aux vêtements. Puis s'il y en a trop, je remettrai dans le pot. Donc pour les pinceaux, j'en ai pris deux. J'en ai un fin et puis un peu plus large. Donc pour le plus large, en fait, ce sera vraiment pour les milieux. Et puis ça, vraiment pour les côtés, pour être un peu plus précis. Je vais protéger le substrat, comme d'habitude. Pour le coup, le torchon, il m'aura servi pour les quatre étapes. Je prends le pulvérisateur pour l'eau. On voit bien là le rouge, là c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est rouge bien sombre, rouge bordeaux. Et après avec le liquide Agin qui va être blanc, ça va vraiment faire un contraste très fort. Donc là maintenant c'est bon, c'est parti. Là tout est bien mouillé là je pense. Le liquide Agin, les pinceaux et c'est parti. Je vais juste le relever un peu. Donc là c'est parti, j'applique. Alors je vais commencer par les petites jeans. Alors forcément, ce que j'ai brûlé, ça va mettre un peu plus de temps à blanchir. Alors, faut pas oublier de faire toutes les faces, vraiment l'appliquer partout. Alors ça, c'est la partie la plus agréable, hein. C'est vraiment la finition, donc là on se fait plaisir. Hein. Parce qu'après tout ce boulot, ça fait plaisir de finir par ça.
Voilà, c'est bon, le travail est terminé, donc on voit vraiment l'effet du liquide Adjin, hein, ça devient vraiment blanc, c'est super intéressant. Il y a juste évidemment les zones que j'ai élargies, elles sont plutôt de couleur orange-jaune en fait, elles sont pas encore très blanches, mais avec le temps ça va finir par devenir blanc en réappliquant du liquide Adjin, en regrattant. Et on voit bien le contraste avec la veine vivante, là j'ai remis un petit coup de pulvérisateur d'eau, là ça ressort vraiment rouge foncé, c'est super joli je trouve. Et donc là on a vraiment terminé le nettoyage du genévrier que je voulais faire, on a nettoyé l'ensemble du pot, toutes les petites mauvaises herbes, etc. Et on a fait un surfaçage à la Kadama, donc ça c'est très propre. Ensuite, je me suis occupé de la sélection du feuillage. Là, on garde vraiment tous les pompons utiles pour la future mise en forme, j'espère en automne de cette année. Et tous ces pompons, en fait, ont des petites flèches. Donc, l'arbre est vraiment optimisé au niveau équilibrage de l'énergie. Donc ça, normalement, toute la période de pousse, ça va le faire. On va avoir des flèches qui vont se développer. Après, il y a eu tout le travail des bois morts. Donc, j'en ai créé des nouveaux suite à des paires de branches, donc celle-ci et celle-ci. Celle-ci, en fait, je l'ai fait remonter vers le haut avec du fil de ligature parce que je compte, en fait, faire un plateau assez bas ici, et j'aimerais vraiment que le jean sorte du feuillage, ça je trouve ça toujours très intéressant et joli à voir. Et ensuite je me suis amusé à nettoyer toute l'écorce, donc vraiment en enlevant les petites lamelles avec le couteau, en grattant avec du papier de verre. J'ai aussi utilisé une petite brosse métallique, hein, ça va un peu plus vite pour dégrossir rapidement le travail. Et puis maintenant on se retrouve avec une écorce lisse, dès qu'on touche hein, c'est vraiment lisse, et c'est là qu'on sait qu'on a bien nettoyé. Et maintenant on a un arbre qui est complètement nettoyé, qui a le feuillage pour faire une belle mise en forme. Pour pas accumuler toutes les opérations, je prévois de faire ensuite la mise en forme normalement en automne de cette année. Donc évidemment, il y aura une vidéo. J'espère que cet atelier vous a plu. C'est un travail qu'on peut faire qui prend beaucoup de temps. Ça m'a vraiment pris une bonne journée de travail. Donc si on peut séparer certains travaux pour préparer un arbre à la mise en forme, c'est mieux de faire comme ça plutôt que de tout faire le même jour avec la mise en forme. Là, si je devais faire ça, plus la pose du fil, plus la mise en forme, là j'en aurais eu pour 2-3 jours de travail. C'est vraiment un atelier de 2-3 jours quand on travaille un arbre de cette taille et de cette espèce. Les genévriers, c'est ce qui donne le plus de travail à faire, je trouve. Donc voilà. Mais après, quand on voit le type de résultat, le type de choses qu'on peut faire en mise en forme, c'est pour ça qu'on les aime. Même s'il y a beaucoup de travail, on est prêt à le faire parce qu'on sait que derrière, il y aura un super résultat. Donc voilà. Donc cet arbre, je vais continuer à le cultiver. Il est sur les étagères mi-ombre. Il sera arrosé régulièrement. J'apporterai évidemment de l'engrais organique. Et puis normalement, tout devrait bien se passer pour toute la saison de culture. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï! Noir verdâtre, donc ça commençait on commençait qui était peut-être trop long ou trop simple, qui n'avait pas de complexité, il n'y avait pas de. Donc là je vais juste vous montrer, je vais vous montrer rapidement en fait là sur l'écorce, donc il y a granulométrie, donc granulométrie 100, et du coup bah forcément on peut commencer par on commence par la pour que ça aide à imprégner bien, pour que ça aide à bien imprégner le liquide Adjin. Elle est un peu rouillée. Et c'est parti. Je vais juste le relever un peu. Bon, je vais faire de haut en bas, de bas en haut de toute façon. Il y a l'odeur quand même. C'est agréable. Et tous ces pompons en fait ont des petites flèches, donc ça va être l'arbre est vraiment optimisé. L'arbre est vraiment optimisé au niveau
équilibrage. L'arbre est vraiment optimisé au niveau équilibrage de l'énergie. Si on peut, il sera arrosé copieusement, régulièrement. J'apporterai de l'orgue. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et faites du bonsaï.